Je me présente, Rémi Julien, métier cascadeur. Ce qui caractérise notre métier maintenant, c'est pour être cascadeur, il faut d'abord être technicien. Et on a recours, évidemment, à toutes les choses mécaniques, comme la construction de cette voiture de David Chicotte, qui est une petite Smart, qui roule en marche arrière. Et le problème, pour qu'elle roule en marche arrière, il faut inverser le sens de la carrosserie. Oui. Et donc, cette voiture, sur laquelle on a greffé une plateforme qui est déplaçable, qu'on peut mettre à gauche ou à droite pour filmer les acteurs à l'intérieur. Il est bien évident qu'à une petite Smart à trois essieux comme ça, si on met les deux opérateurs cadreurs plus le poids de la caméra, la Smart va se trouver complètement balancée et appuyée à la limite du retournement. Alors pour ça, il a fallu faire alors techniquement, c'est un énorme boulot aussi, c'est-à-dire y adjoindre des suspensions additionnelles par rapport aux suspensions d'origine. Là, c'est encore l'œuvre de Dominique Julien qui a mis cette chose au point, et après de multiples essais, on est arrivé à un bon compromis qui faisait qu'on avait et sécurité et en même temps la possibilité de faire des images tout à fait exceptionnelles et assez insolites comme on a peu l'habitude. On a matérialisé le décor de la rue Saint-Georges dans un parking de train pour pouvoir se livrer à cette espèce de gymkhana qui consistait à voir le petit Smart fuir en marche arrière, poursuivi par les policiers. Si on a l'obligation, évidemment, d'obtenir un bon film avec des belles images, ça nécessite une cohésion parfaite entre la technique et la chose de risque. Et là, c'est véritablement une chose à risque qui oblige à vraiment explorer toutes les ressources de la technique. Et c'était ça le vrai problème.